Salut tout le monde, c'est Nuage de Cube. Je suis sur Creativerse, c'est un jeu qui est sorti début mai, le 8 de cette année. Et en fait, je rejoins cette session juste en finissant mon live. Donc en fait, j'ai fini le live sur ma chaîne YouTube en voulant faire une vidéo absolument sur ce jeu-là. Et en fait, quand vous regardez la description sur Steam, ça vous dit juste vous allez être. Il y a juste marqué une phrase dans laquelle vous allez vivre une expérience géniale, un petit peu comme dans Minecraft. En fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but apparent. Et on a le jour, on a la nuit, regardez en haut à droite. Donc il est 8h57, presque 9h du soir, donc c'est heure PM, d'accord, à l'anglaise. Et donc le soleil se couche. J'ai réussi à l'aide de quelqu'un sur le live crafter une épée. Donc j'ai regardez en bas, j'ai une jauge blanche et une rouge. Donc la rouge c'est la vie et apparemment la jaune c'est l'énergie. Donc ils ont, on va dire, vite fait copié sur Minecraft. Donc on a, à l'aide de la molette de la souris, on peut sélectionner un objet. Par exemple là, j'ai réussi à récupérer... Attendez, hop, je passe en mode dig. Creuser. Oula, c'est quoi ce bruit? S'il y a un danger, quoi. Il pleut? Oh, c'est des étoiles! Oh! Oh, c'est beau! On voit les galaxies! Ah, oh, c'est beau! Il n'y a pas ça à Minecraft, on n'a que des petits points blancs. Remarque, Minecraft, c'est la simplicité, hein. Alors, bon, je sais pas ce qui se passe. Oula, ah ouais, ça va être beau. Et oui, donc l'énergie, on peut courir, hein, qui dépense de l'énergie. J'ai juste voulu tomber, parce que j'ai creusé, j'ai posé en fait des blocs. Je suis tombé. J'espère qu'on m'entend bien, je vais réduire un petit peu la musique, parce que sinon on va pas s'entendre. Alors, c'est dans audio, musique, on va mettre à 20, ambiance, on va mettre à 70. Voilà, ah oui, ah c'est magnifique, hein. En fait, quand on appuie sur échappe, on ne met pas en pause le jeu. Le jeu continue de se charger, de se... Oh, on a les grillons, là, on a les... Ah ouais, c'est bon. Alors ce jeu, il est bien, sauf qu'il y a quelques défauts. Déjà, il est gratuit, ça c'est une bonne qualité. Il est sur Steam, il est gratuit, vous tapez Creativerse, vous pouvez télécharger simplement. Et... Oula. Oh putain! Oh c'est quoi ce truc? J'ai eu peur! Oui! Attendez. Ces petits bonhommes, c'est quoi? Night Oglet. Attends, attends, attends. Oh là là, j'ai tué des oglettes. Nuage des fites. T'es bisourigas que ça fait ça. D'accord. Il n'y a pas l'historique du log. Parce que j'ai... Bon, c'est pas grave. Interact F. Donc j'ai chopé un os. Et... Donc de la peau, du cuir en fait. Hein. Voilà. Vite pareil, là c'est une vine qui m'a servi à crafter l'épée. Et... Sinew, c'est quoi? Genre de nœud de corde, c'est ça? Non? Bon. Très bien, voilà, bah. Mais. Oula! Ah, d'accord! Ah, la nuit, on a des. Ah ouais! Ah, c'est pour ça qu'il y a la musique qui a retenti! Oula! Voilà, un petit peu Creativerse. Hein. En fait, j'ai juste voulu faire une vidéo rapide après le live.
comme ça parce que j'étais excité par le jeu et je pensais pas qu'il était aussi bien que ça. Et sincèrement, ouais, je kiffe. Alors, on a un menu crafting et pour avoir en fait crafté l'épée, donc vous allez appuyer sur E, vous cliquez sur craft, vous descendez un petit peu et là vous avez les épées. Voilà, donc j'ai crafté c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci. Attends. Je vais me frapper à lui. Donc j'ai une épée en bois, voilà. Dommage qu'on n'a pas ça à Minecraft, hein. Faut bien se marrer. Non mais voilà, c'est beau quoi. C'est beau, c'est beau. C'est bien. Hein, t'es bien toi, t'es des gros yeux, bon, t'es un petit peu moche quand même. Hein. Alors, j'ai une épée en bois, voilà. Et donc l'épée en bois, elle est où? C'est celle-là? Voilà, c'est ce Woodsword. Woodsword, voilà, c'est celle-là. Donc pour crafter l'épée en bois, il m'a fallu 6... Alors j'avais chopé en fait. J'avais chopé ça, voilà. 5, 6 blocs de... Attendez, hop, touche tab pour reprendre la main, pour creuser. Voilà. C'est ça que j'avais chopé, je crois. Il m'en fallait 5 au total. Donc on va prendre 6. Appuie sur E. Craft. Et là, voilà, je peux en crafter une. Donc il en faut 5. Il en trop donc et il faut une vance et la vance donc la plante grandissante, la plante vieillissante, la plante grimpante, on peut la récupérer sur un tronc de bois marron. Donc là-haut, je vais vous allez voir. Hop, là j'en ai 4. Hop. Et on la récupère comme ça. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que quand on veut récupérer, parce que je vous l'ai dit, touche tab, hop, on switch en fait de d'action, d'accord? Action, on frappe avec l'épée. Et action, on creuse. Pour ça, j'ai dit dans le live que une touche qui sert ensuite pour faire l'action, c'est un petit peu, enfin, j'ai l'habitude dans Minecraft de sélectionner l'objet et de frapper. Et là, c'est un petit peu gênant, j'ai pas l'habitude. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on veut récupérer une vance, on a juste à la creuser, à la récupérer, comme ça par magie, ça c'est le système, hein. D'accord, il n'y a pas d'outils apparemment. En tout cas, je ne connais pas. Et on récupère à la fois le bois et la vanne, donc. Voilà. Il y a aussi des morceaux de miel. Voilà. Hop. Beeswax. Voilà. On peut aussi le redéposer. On va le mettre là. Attendez. Non, ce jeu il est bien, hein. Alors je sais pas si je le mets en bas, s'il va se détruire parce qu'il est pas en hauteur. En hauteur, est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il a une chance de se développer, de s'agrandir? Je sais pas, je connais pas le jeu. Mais en tout cas, voilà, ma première nuit sur Creativerse. C'est un jeu qui est très beau. Je pensais pas être autant émerveillé. J'avoue que voilà, bon. Et une fois que vous avez créé l'épée en bois. Eh bien, voilà, il sera directement dans votre inventaire. Et en parlant de l'inventaire, vous avez des armures. Donc là, il y a les épaulières. C'est marqué un petit peu, c'est indiqué par des couleurs qui différencient en fait le bonhomme et l'endroit où se passe l'armure par rapport au saut. Donc les épaulières, les bras, le torse et les jambières. Voilà. Et il n'y a pas de casque. Peut-être parce que ce jeu il est en alpha. Voilà, on peut upgrade tout pro pour débloquer des trucs. Voilà, 20 slots d'inventaire en plus. Donc 20 cases, là j'en ai 40. Voilà, pour régénérer la vie, je sais pas, bon, faut manger des pommes hein, normalement, hein, c'est ça. Voilà un petit peu. Hop. Comment ça se passe Scratchiverse?
Et c'est quoi ça? C'est une lune, une planète? Vous imaginez si après on pourra aller dans l'espace? Voilà. Ça a fait du bien de passer, de se dire voilà No Man's Sky. Bon, ah oui, en parlant de ça, No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu. Vie putain, il est vide, c'est moche. J'ai joué, j'ai dit, ce jeu il est génial. Mais j'ai dit, qu'est-ce que putain, il mange des trucs quoi, ce jeu il a du potentiel. Et après, bon, je m'amuse à jouer à différents jeux. J'ai acheté Birthday the Beginning. Et là, téléchargeable gratuitement Creativerse. Alors qu'est-ce qui. Pourquoi ça m'indique un truc là? Ça m'indique ça? Bon, c'est déjà beaucoup de mystères, hein. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Voici Creativerse un petit peu. À bientôt tout le monde. À la prochaine. Bye bye. En tout cas, les petits crabes, ils sont beaux, hein.